Bienvenue dans la nouvelle interface AdSense. Pour vous aider à mieux gérer votre compte, nous avons amélioré la conception d'AdSense ainsi que la navigation au sein du programme. Voyons donc ce qui a changé. La première chose que vous verrez en vous connectant à votre compte est la page d'accueil. Nous avons regroupé tous les éléments dont vous pouvez avoir besoin afin de vous permettre de naviguer et de trouver les éléments que vous cherchez plus facilement et plus rapidement. Les alertes sont visibles dans un même endroit dès que vous vous connectez et les notifications, conseils d'optimisation et invitations sont maintenant disponibles dans un centre de messagerie. Nous vous invitons à prendre régulièrement connaissance des alertes et messages que vous avez reçus pour être certain de ne pas passer à côté d'une mise à jour ou d'un conseil important. Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, consultez la page « Ressources ». Vous y trouverez des informations utiles et les nouveautés concernant AdSense. Pour accéder plus rapidement aux informations recherchées, vous trouverez désormais sur la page d'accueil des liens vers les sections de l'interface que vous consultez le plus fréquemment, telles que vos informations de paiement ou les paramètres de votre compte. Passons maintenant à l'onglet « Mes annonces » que nous avons optimisé de façon à vous aider à gérer plus efficacement votre inventaire d'annonces. C'est à partir de cet onglet que vous créez et gérez vos blocs d'annonces et critères personnalisés qui s'affichent désormais côte à côte. Comme nous avons regroupé les annonces par type de produit, vous pouvez voir facilement l'inventaire que vous avez mis à disposition pour AdSense pour les recherches, Sense pour les pages de contenu, d'autres produits AdSense. Vous pouvez sélectionner un bloc d'annonces pour le modifier ou plusieurs blocs d'annonces pour appliquer la même modification sur tous les blocs. Il vous suffit de cliquer sur un critère personnalisé pour afficher les blocs d'annonces associés. Un filtre vous permet également de rechercher des critères donnés. Nous savons que l'un des aspects les plus importants de la gestion de votre site, le contrôle dont vous disposez sur les annonces que les internautes peuvent voir sur vos pages. Sont donc à présent à l'onglet « Autorisation, blocage d'annonces » où sont centralisés tous vos outils de contrôle. À partir de cet onglet, vous pouvez bloquer la diffusion de certaines annonces sur votre site par URL, catégorie d'annonces, voire par réseau publicitaire complet. Pour un contrôle plus précis des annonces ciblées par emplacement sur votre site, vous pouvez utiliser les outils du Centre de vérification des annonces. Ici, vous pouvez notamment vérifier la pertinence de vos annonces pour les visiteurs de votre site. Vous pouvez également autoriser ou bloquer un groupe d'annonces et même bloquer la diffusion de toutes les annonces provenant du site d'un annonceur. Pour trouver plus facilement les annonces que vous recherchez, vous pouvez utiliser différents critères de recherche, type d'annonce, mots-clés, URL ou réseau publicitaire. Pour terminer, passons à l'onglet « Rapport sur les performances » qui donne accès à des analyses détaillées de vos données. Vous y trouverez notamment des graphiques sur les impressions de pages, les clics et les revenus, ainsi que des rapports détaillés sur les performances que vous pouvez personnaliser pour diagnostiquer l'origine de vos revenus. Vous pouvez par exemple voir les revenus que vous avez générés grâce à différents formats et tailles d'annonces, méthodes de ciblage, etc. Ces rapports vous permettent également de comparer des périodes afin d'étudier l'évolution de vos revenus d'une année ou d'un mois sur l'autre et, par conséquent, de mieux comprendre l'incidence des tendances saisonnières et annuelles sur votre chiffre d'affaires. Alors n'attendez plus pour accéder à votre compte via la nouvelle interface AdSense et profitez de ses nombreuses améliorations.